L'ancien résident de Matignon a le visage bien changé depuis son départ de la rue de Varennes en 2020. Édouard Philippe n'a plus cheveux ni sourcils et sa barbe a bien blanchi. L'alopécie et le vitiligo ont transformé la figure du maire du Havre. Mais de ce changement remarquable, l'ex-premier ministre n'en fait pas une affaire d'État. Ses électeurs non plus. Nous avons récemment inauguré des halles. Il y avait 200 personnes, on a picolé, on a rigolé, j'ai embrassé des bébés, des vieilles dames. Et personne ne m'en a parlé. En même temps, attendez, je n'ai pas dit qu'il n'y pensait pas et c'est bien normal, a raconté l'élu de 52 ans à Laurence Ferrari pour Paris Match, paru ce jeudi 23 mars. Toutefois, cela interroge, selon son entourage. Mais dès qu'il se met à parler ou à arpenter sa ville, les questions s'arrêtent net, relate la journaliste dans les colonnes du magazine. Aussi, ses adversaires politiques tentent très bien de se servir de cette perte de cheveux et de ce blanchiment de barbe pour faire croire à de réels soucis de santé. Cela ne m'a pas échappé, la nature humaine est ainsi faite. Mais je suis surtout désolée pour eux, ils doivent souffrir de remontées acides, a observé Édouard Philippe. En novembre 2022, le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, s'était amusé à critiquer le physique du fondateur du parti Horizon à propos de ses supposées ambitions présidentielles pour 2027. Il faut espérer qu'Édouard Philippe soigne ses problèmes de barbe, car il ne lui reste plus que l'apparence pour sauver le vide de son projet, avait-il déclaré à Challenge. Philippe, c'est une stratégie à la Rocard, avec le visage de Balladur, s'était moqué un conseiller au placé de l'Élysée dans Le Point. La barbe devrait tomber aussi, le maire du Havre avait abordé ces deux maladies auto-immunes lors d'une interview au Point en janvier dernier. L'alopécie n'est ni grave, ni dangereuse, ni contagieuse, ni douloureuse. Je le vis bien, avait-il assuré dans l'hebdomadaire. Un responsable politique, ça préfère parler d'idées que de poils. Les sourcils sont tombés, ils ne reviendront plus. Les cheveux tombent, je ne suis pas sûr qu'ils repousseront. La barbe va finir par tomber, avait-il ajouté. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, marque de Tienda Panoramique.